Et on se retrouve donc en voix off. Pour commencer, on commence comme à chaque exercice par marcher tranquillement et vérifier les différents codes, le stopper, le reculer. Pour le reculer, aujourd'hui il avait un peu de mal, il tournait sur lui-même, mais c'est normal, il y avait des poneys à côté, il était assez déconcentré. Donc pour le concentrer, enfin pour le ramener avec moi, c'était assez compliqué, mais on a fini par y arriver. Donc voilà, au début, petite détente. L'étape d'après consiste tout simplement à lui demander de décaler les hanches. Kanaï connaît cet exercice, mais on l'a retravaillé étant donné que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce petit exercice. Il répond à la pression maintenant et il était question de répondre à la pression du stick et pas de ma main, qui était bien évidemment beaucoup moins forte. De temps en temps, il avait peut-être tendance à reculer en même temps de se décaler. Donc voilà, on a travaillé pour ce mouvement-là, c'était superbe. Donc voilà, on a travaillé ce mouvement-là du côté droite comme du côté gauche. Pour l'exercice du montoir, il faut savoir que cet exercice c'est vraiment l'exercice de base. Si votre poney ne sait pas faire ne sait pas décaler les hanches, il ne saura pas faire le reste. Donc c'est pour ça qu'on a pris énormément de temps cet exercice pour qu'il le maîtrise totalement. Et encore une fois, voilà, on le reverra à chaque fois pour qu'il puisse le maîtriser.
La seconde étape pour le montoir consistait tout simplement à lui demander totalement l'inverse, de décaler les hanches mais de les ramener vers moi. Pour cet exercice, il a eu énormément de mal à comprendre. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il le faisait, donc au début je faisais tout simplement avec le stick mais il n'avait pas du tout l'air de comprendre. En plus de ça, il se déconcentrait très très vite, donc même moi je jetais quelques coups d'œil sur les poneys d'à côté. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs fois mais quand j'ai vu que ça ne marchait pas, vous le verrez, j'ai utilisé toute une autre méthode. Après plusieurs essais, j'ai tout simplement utilisé une autre méthode qui, vous le verrez, est en fait de décaler sa tête de l'autre côté et de faire des petites pressions pour que, voilà, de lui-même, en fait, sans qu'il comprenne, il décale ses hanches pour décaler sa tête. Et voilà, je le fais ici et dès qu'il bouge ses hanches, au début il ne comprend, il ne fait pas le lien entre la pression et le fait de décaler, mais petit à petit il comprendra. Aujourd'hui, c'était juste question qu'il réponde à la pression de la longe et qu'il décale ses hanches. Et voilà, dès qu'il l'a fait, je récompense très fort, comme vous pouvez le voir, même s'il le fait par naïveté et sans savoir que c'est ce que je demande au début. C'est déjà très très bien. La troisième étape consiste à monter en hauteur et refaire exactement le même exercice, lui demander de ramener ses hanches vers nous. Kanaï m'a déjà vu plus haut que lui, donc ça ne le gêne pas. Et je reprends tout simplement le même exercice qu'à l'étape 2. Je viens, étant donné qu'il ne comprend pas encore exactement, je viens tout simplement ramener sa tête pour qu'il puisse naturellement ramener ses hanches vers moi et je lui félicite. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je demande. Petit à petit, on s'entraînera et je lui demanderai de ramener ses hanches sans pression. Mais aujourd'hui, pour aider et pour qu'il comprenne mieux, je fais tout simplement une petite pression. Comme vous le verrez, il décale ses hanches naturellement sans comprendre. Mais voilà, dès qu'il le fait, au moindre mouvement, je m'arrête et je félicite très fort. De temps en temps, quand il ne comprend pas, je m'arrête, je redescends et je refais exactement la même chose au sol pour qu'il comprenne que c'est pas parce que je suis en hauteur que je demande différemment. Et donc voilà, je refais, je vérifie qu'il comprend bien et je remonte. S'il ne comprend pas, je redescends, je remonte, etc. Je switch un peu pour mieux qu'il comprenne et pour lui montrer. De temps en temps, il avait tendance à faire tout simplement des cercles sur lui-même au lieu de s'arrêter. Mais pour la première fois, c'est pas du tout grave. C'est la première fois qu'il fait et il décale ses hanches. Même s'il fait un cercle, il les décale. Donc je félicite quand même. Pour la toute première fois, c'est très très bien. Et au fur et à mesure, je lui apprendrai que non. Moi, je veux que tu décales vers moi et que tu stoppes. Même s'il a tendance à faire des cercles, peut-être que je mets, c'est vrai, une pression un peu trop forte. Mais voilà. Petit à petit, on apprendra. Je lui montrerai. Mais pour un début, c'est très très bien.